Francis Zandberberg, alias Francis le Belge, a été abattu aujourd'hui en plein Paris. C'est alors qu'il remplissait tranquillement des tickets de PMU dans un café près des Champs-Élysées qu'une équipe de tueurs a fait feu à plusieurs reprises sur le parrain du milieu marseillais. Francis le Belge est mort sur le coup. La côte, un nom qui concentre tous les clichés du milieu français. Sur les bords de la Méditerranée, le soleil brille particulièrement pour les voyous qui délaissent l'ombre des bas-fonds pour la lumière du grand jour. Loin d'être des anonymes, ils sont ici des personnages publics. Et à Marseille comme à Toulon, ils ont marqué la région de leur empreinte. Gaëtan Zampa, dit Tani, Francis Zandberberg, dit le Belge, Jean-Louis Fargette, dit le Grand, le nom resté célèbre dans le quartier du Panier comme dans la basse ville de Toulon. À Marseille, Caïd de la Pègre se dit parrain. Nulle autre ville en France n'aligne une telle lignée de grandes figures dominantes. Leurs ombres planent sur le vieux port, alimentent les conversations des bistrolaires et font les gros titres du provençal ou du méridional. À Marseille se dessine forcément la silhouette d'un chef qui règne sur son milieu. Une tradition qui remonterait aux années 30 et à l'apparition d'un duo de légende formé par Paul Carbone et François Spirito. Une époque où la ville, élue capitale du crime, son surnom de Chicago. C'est la grande époque, dans les années 20-30, des Carbone, des Spirito, qui vont dominer le milieu. Et ces gens-là font dans le gros business, donc ils n'ont pas envie d'être emmerdés par des petites bandes de voyous, des petites guapes qui risquent d'attirer l'attention sur leur trafic par ailleurs, et qui risquent de réveiller le flic qui dort tranquillement à l'évêché. Et donc, ces grands caïds de l'époque vont éliminer petit à petit les derniers survivants de ces gangs de banlieue, de ces nervis. Donc, ils vont les nettoyer soit physiquement, soit en leur fournissant des petits boulots de subalternes. Et à partir des années 30, l'ordre mafieux va régner sur Marseille. La figure du parrain marseillais n'a rien à voir avec la figure du cap qu'on peut imaginer au sommet de la Cosa Nostra à New York dans ces années-là. Ce n'est pas un milieu structuré, le milieu du grand banditisme à Marseille n'est pas un milieu structuré, hiérarchisé, de forme pyramidale. Nulle famille à la sicilienne ne règne sur le quartier de l'Opéra et les établissements de la ville. Non, la pègre fosse horizontale est composée d'individus. Mais certains plus puissants, plus redoutés, imposent leurs lois. Je crois que la ville en général a besoin d'hommes forts. C'est le cas en politique, où tous les maires qui se sont succédés à Marseille sont des hommes forts, dont l'image était puissante. Et au niveau banditisme et milieu, on constate exactement la même tendance. Le milieu marseillais, pendant des années, des années, des décennies, a eu besoin d'hommes forts. Après-guerre, Bonne et Spirito succéderont les frères Guérini. Antoine et Barthélémy, dit Mémé. Puis Baptistin, dit Tintin Tramini. Et à l'orée des années 70, un certain Gaëtan Zampa, dit Tani. Gaëtan Zampa, c'est un Marseillais qui est né prétendument le 1er avril 1933, mais en fait, il est né en fait en mars 1933. Mais son père, Mathieu Zampa, n'a jamais voulu le déclarer en mars parce qu'il estimait que le mois de mars, c'était le mois. Alors il a dit, mon fils ne naîtra jamais le mois des fous, et il l'a déclaré le 1er avril.
Mathieu Zampa, c'était un des personnages clés de la pègre à Marseille. C'était déjà un voyou bien installé, qui était avec le costume trois pièces, le gilet, le rayure, les chaussures bicolores. C'était vraiment le voyou caricatural, quoi. Le proxénète de base, avec son bordel à l'opéra. Et c'est dans cette ambiance-là qu'a grandi le petit Gaëtan Zampa. Tani pousse dans le quartier populaire de Saint-Mauron. La famille ne déménage. C'était une époque difficile, hein, pour les Italiens de Marseille. On les traitait de macaroni, on les traitait de spaghetti, on les traitait de tous les noms. Voyez, donc c'était pour eux difficile de vivre et de s'intégrer à Marseille. Il a amené sa famille, si vous voulez, à l'abri, à la Caillole, dans les quartiers sud, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un trait que les Baumettes. Et curieusement, Mathieu Zampa avait acheté un terrain juste en face des Baumettes, où il a fait construire sa maison. Tani va courir les collines et faire les 400 coups avec ses amis d'enfance. Plus tard, certains deviendront ses fidèles. Il a arrêté ses études assez tôt parce que son père, à ce moment-là, était un petit peu assigné à résidence à Dakar, au Sénégal, où il avait d'ailleurs monté un bordel international. Donc lui, il se trouve seul avec ses sœurs, etc., sa mère, sa tante, etc. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pratiquement plus rien pour nourrir ma famille. Je vais les chercher, les sous. Les sous, je vais les chercher. Et ça commence comme ça. Le cursus de Gaëtan Zampa dans le banditisme, il commence lentement. Il commence comme tous les voyous, par quelques larcins, quelques vols à l'étalage, quelques vols à l'esbrouf, etc. Puis, insensiblement, il en vient au braquage. Le premier véritable coup très audacieux de Gaëtan Zampa, c'est le casse des convalescents. Les gangsters de la Saint-Sylvestre se sont offerts à Marseille de généreuses étrennes. C'est à quelques centaines de mètres de la gare Saint-Charles, dans la rue des Convalescents, tout près du commissariat du 2e arrondissement, qu'a eu lieu le plus sensationnel fric-frac commis et réussi à Marseille. 160 millions d'anciens francs, dérobés dans la chambre forte de la caisse d'allocation familiale, avec une facilité déconcertante. Il se laisse enfermer l'avant-veille du premier. Il passe 2 jours et demi seul et le 2 au matin, au moment précis à 8 heures où arrivent les deux convoyeurs avec les sacs pour approvisionner effectivement en argent l'établissement, il les braque, il les fait coucher sur le sol, il leur dit ne bougez plus, il prend les deux sacs, il s'arrache, un compte en voiture, ça a duré 3 minutes. Et en 3 minutes, il a pris 160 millions de francs. Une somme fabuleuse qui permettrait aujourd'hui, par exemple, de construire toute une ligne de métro, vous voyez. Après ce coup d'éclat qui va asseoir sa réputation, Zampa monte se mettre au vert à Paris. Quelques mois plus tard, poussé par son ambition, il redescend. Ce qu'on appelait le parrain à l'époque, c'est Antoine Guérini. Et Zampa va, dans un premier temps en tout cas, fraterniser avec les frères Guérini et travailler en bonne intelligence avec les frères Guérini, de telle façon qu'il va toujours tirer son épingle du jeu de cette époque très trouble, hein, en matière politique. Les Guérini règnent sur le monde de la prostitution, avec ses hôtels et ses bars qui alimentent les caisses du milieu et font la réputation de certains quartiers de la ville. Alors à l'époque, les quartiers chauds, c'est l'Opéra, c'est la rue de la Tour, la rue Lully, la rue Molière, tous ces coins qu'on appelle nous l'Opéra à Marseille, où il y a à l'époque une intense prostitution, c'est-à-dire il y a des filles qui sont là, qui font le tapin. Et lui, il voit d'un mauvais œil les proxénètes qui s'occupent de ces filles, qui sont des types en bagousés avec des colliers un petit peu matu-vu, ce qu'on appelle nous à Marseille les cacous. Ça lui plaît pas du tout. Il dit ces filles, elles doivent aller à des mecs qui se sont bien comportés, c'est-à-dire à des braqueurs. Et donc lui, il va faire en sorte d'aller chaque soir avec ses hommes à l'opéra pour balancer des gifles, des claques, des emplâtres, comme on dit à Marseille, italien emplâtrie, qui était là à l'extérieur, et pour leur dire, écoutez, vous allez arrêter et vous allez dire à votre Mac de venir chez Guérini au Méditerranée pour me voir moi. Parce que maintenant, vous dépendrez de moi. Par exemple, je l'ai rencontré la première fois. C'était pour une histoire de femme, parce que Zamp avait instauré à Marseille que toutes les femmes qui travaillaient devaient être mariées avec des voyous, et surtout ses amis, non?
Donc mon cousin s'était mis avec une femme qui était descendue à Jean-Lépin. Et elle lui avait dit, j'ai Zamp qui est sur moi, il veut que je me marie avec des gens de là-bas et tout ça. Donc on avait été le voir. Je ne le connaissais pas. À premier abord, il m'a fait bonne impression et tout. C'était un garçon. On voyait que c'était un garçon de là, qui faisait de l'avant. J'avais été au canotier. Et il a compris la situation et il n'y a aucun problème. Il était tout content que cette femme reste avec mon cousin. Par la suite, on s'est fréquenté, on se voyait de temps en temps et tout ça. J'ai jamais eu aucun problème avec lui. Et même qu'après, il rentrait dans nos affaires. Ses affaires, c'est la French Connection. L'envoi d'héroïne marseillaise à la mafia italo-américaine de New York. Un business qui va les mettre face à face avec un jeune ambitieux de 13 ans, leur cadet. À ce moment-là, arrive un autre jeune loup, je dirais, sur le terrain qui s'appelle Francis Van Der Berg. Francis Van Der Berg, lui aussi, il est d'origine à la fois belge et espagnole. Il a le sang chaud, il vient de la Belle de Mai, un quartier chaud de Marseille, où il fait la loi. Voilà. Et il va se heurter de plein fouet à Gaëtan. Ils sont très copains, mais dans un même marigot, il ne peut pas y avoir de place pour deux crocodiles affamés. J'ai connu Francis aux cinq parties du monde, un jour que j'avais eu un problème. C'était un garçon qui faisait de l'avance, c'est un garçon qui avait pas froid, c'est un garçon qui était très intelligent et qui en voulait. Francis, il était spécialisé dans les braquages surtout. Et de fil en aiguille, il était rentré avec nous dans le trafic, le trafic de drogue et tout ça. Voilà, on montait les affaires pour aller aux États-Unis. Et plusieurs fois, on montait chacun dans notre voiture la marchandise pour l'emmener au lieu-dit. J'avais une Maserati, lui il avait une Porsche. Alors ça, on s'amusait à faire la course. On chargeait à Marseille. Et on allait en Bretagne. On chargeait toujours en Bretagne, au Sable d'Olonne ou des trucs comme ça. Là, le caprice des temps. Un ancien crevettier les attend avec sa quille trafiquée, capable de contenir plusieurs centaines de kilos de blanche destinés au marché américain. Mettre de la marchandise dans une voiture et s'en aller, c'est des choses qu'il faut être vraiment inconscient. Mais on était jeunes, comme dirait l'autre. Inconscient, mais riche. Le kilo d'héroïne acheté $800 à Marseille est alors revendu $12 000 à New York. L'argent coule à flot dans les poches de truands d'à peine 25 ans. Une manne dont tout le monde veut profiter, y compris bien sûr Tani Zampa. Son équipe envoie sa propre marchandise, mais Zampa, étant l'un des rares à avoir un acheteur américain, assure également le transport et la revente du produit des collègues, celui de l'équipe du Belge notamment. Une fois, quand le Caprice d'État est arrivé aux États-Unis, dans les quantités qu'il y avait, quantités qui étaient pas bonnes, donc on a eu des embêtements. Mais on ne savait pas qui c'était qui nous avait fait ça, qui nous avait donné une marchandise qui n'était pas valable. Donc au deuxième envoi, nous avons pris des précautions et on s'est aperçu que ça venait de Zamp. Donc on a été le voir et tout. Il a dit qu'il avait été engagné, qu'on l'avait fait marron, que ça venait pas de lui, patati patata. Et qu'on reste tranquille, que lui il allait s'occuper de tout ça. L'ambiance s'est refroidie entre les deux parties. Quelques temps plus tard, alors que Laurent Fioconi est tombé, elle va carrément devenir glaciale. Ensuite, quand j'étais en prison, j'ai su qu'il a eu une histoire avec le Belge et qu'il a pris, par exemple, a pris les défenses d'un garçon qui avait pris de la marchandise au Belge et lui s'est mis avec l'autre. Cet autre, c'est Jolomini, dit le toréador, un proche de Zamp qui, alors qu'il rendait visite au chimiste, s'est permis de piocher dans le lot destiné aux Belges. Ce dernier ne compte pas laisser passer et les contentieux s'accumulant avec Tani décident de sortir les calibres. Zampa va alors prendre les devants le 5 septembre 1972, boulevard Fina Duco à Marseille. Gaëtan Zampa a monté un guetta pour les tuer tous. Tous, toute l'équipe du Belge et le Belge, il veut se les faire. Les 4 ou 5 hommes qui constituent la bande du Belge vont se faire tous tuer dans la même voiture, une Mercedes, le soir, tués par les tueurs donc de Tani Zampa et Zampa lui-même participe à cette tuerie. Ces hommes-là sont achevés comme le veut la tradition du milieu à l'époque d'une balle dans la nuque. Et puis Gaëtan Zampa regarde dans la voiture les cinq hommes
il n'y a pas le Belge, il n'y a pas son ennemi juré. Et à partir de là, ça va être tragique, parce que le Belge ne cesse que de venger son équipe qui a été exterminée par Zampa. La guerre est déclarée. Les règlements de compte vont se poursuivre durant les mois qui suivent. 3 morts contre 1 pour Zampa. Le Belge va rétablir l'équilibre le 31 mars 1973. Vers 19h, 3 hommes font Tianagra, un bar du Vieux-Port, et abattent Joe Lomini, le toréador, l'indélicat qui avait pris la canne du Belge. Son collègue, Ange Bistoni, avec qui il buvait un verre, est également tué. La barmaid et un pêcheur sont blessés. 2 morts en 24 heures, 2 exécutions, l'une en plein centre de Marseille, l'autre sur l'autoroute Nord, permettent de se poser ce soir quelques questions. Règlement de compte, reprise en main du milieu par un autre milieu, corrélation entre les 2 exécutions, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement. Les chiffres, eux, ne mentent pas et les morts ne parlent pas. Les chiffres, 7 morts depuis l'automne dernier. Mais le ne pourra personnellement se venger de Tani Zampa. 1 mois après la tuerie du Tanagra, il est arrêté pour port d'armes et condamné à 3 ans. Alors qu'il est en prison, la filière d'héroïne est démantelée et un repenti le balance. À son procès en 1977, il est défendu par Jean-Louis Pelletier. Il avait une aura dans le milieu, certainement. Et puis, il était déjà signalé à la police. Et donc, par contre-coup, la justice avait eu affaire à la justice. Quelqu'un comme Francis Amberberg était capable de se défendre. Il était remarquablement intelligent. Il avait beaucoup d'autorité, un ascendant énorme. En plus, il avait, je crois, l'âme d'un chef de bande. Quoi. On le suivait. Il avait des équipes de gens tellement fidèles. Francis le Belge, condamné à 14 ans de prison, part pour de longues années derrière les barreaux. Le champ est alors libre pour Tani Zampa, qui donne sa pleine mesure. Il met la main sur les pompes afriques du milieu à Marseille et à Aix, les boîtes de nuit, les brasseries, les stupes à grande échelle. Zampa avait construit dans Marseille, si vous voulez, un véritable empire. C'était le prince du milieu respecté comme tel, avec des méthodes certes féroces pour s'imposer, mais aussi des méthodes, je dirais, de clientéliste politique. Il recevait dans son bar tous les gens de Marseille, les petites mains qui venaient le voir parce qu'ils étaient dans l'embarras. Il lui arrivait de filer 5 bâtons dans la journée. 5 bâtons dans la journée, pour l'époque, c'était énorme. 5 bâtons, c'est 50 000 francs, c'est pas rien du tout. Eh bien, lui, il avait ce large pour ensuite faire prêter allégeance aux gens. C'était un peu ça déjà à l'époque. C'est-à-dire que les gens, ils donnaient de l'argent, mais ils disaient attention, ton fils, il faudra qu'il se rappelle que c'est Tani Zampa qui lui a payé son avocat, qui lui a payé même ses 2 avocats, qui s'en souviennent toujours parce que peut-être un jour j'en aurai besoin. Et ce jour-là, il faudra qu'il soit avec moi. Parce que Zampa, sa devise, c'était ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. On ne le contredisait pas. Hein. C'était quelqu'un de très sympa. De très sympa, mais dont je savais parfaitement que sur un coup de colère, ça pouvait changer. Et on le disait, il pouvait faire peur. Hein. Le parrain trône dans son bar attitré du Vieux-Port, où le défilé des acolytes et des obligés tourne à la démonstration de force quotidienne. J'ai le souvenir de Gaëtan Zampa, de Tani, dans son bistrot qui trônait. Et un empereur, là, vraiment, avec des gens autour. C'était extraordinaire, c'était du cinéma. Parce qu'alors, il y avait aussi un gestuel, c'est-à-dire que vous avez ceux... Alors, on se levait, on les embrassait, on se fait des grandes claques dans le dos. Et bon, ça, c'est ceux à qui on marque de la considération. Et puis, vous avez ceux, bon, ça va. Puis, vous avez ceux qu'on salue de loin et qui sont très respectueux, très déférents. Sa puissance. Tani doit l'étaler pour assurer sa suprématie. Le Belge est en prison, mais d'autres osent se dresser contre lui. Notamment en 1977 et 78, lorsqu'il s'oppose à une autre figure locale, Jackie Lemathe. Certains de ses proches tombent, mais Tani passe au travers, continuant à régner sur la ville. Mais le 21 octobre 1981, les ennuis vont commencer. Ce jour-là, une équipe de trafiquants de drogue élimine le juge Pierre Michel. Tani Zampa, qui clame pourtant son innocence, portait les conséquences.
21 octobre 1981, à midi, le juge Pierre Michel rentre chez lui en moto. Deux motards le coincent contre le trottoir, l'abattent et disparaissent. Une fois de plus, les pistes semblent conduire à Gaëtan Zampa. Mais elles sont si habilement brouillées que les enquêteurs, une fois de plus, ne parviennent pas à le coincer. Grosse erreur de Gaëtan Zampa, c'est d'avoir laissé faire cet attentat contre Pierre Michel. L'enquête, lorsqu'on débute l'enquête, on ne pense pas véritablement que Zampa est dans le coup, pour une raison assez simple, c'est que l'homme est assez intelligent pour savoir que si on tue un juge dans la ville dont il est le roi occulte, certes, mais le roi quand même, ça aura forcément des conséquences sur ces mafieuses. Et comme il est assez intelligent pour ça, on pense très sincèrement qu'il... On ne le voit pas sur ce coup-là, très honnêtement. Alors la presse, elle, par contre, elle le voit, puisque le nom de Zampa va être sorti du chapeau et avec toute la folklore... mafieux sicilo-américain, etc., etc. On parle de la mafia, on parle de la Cosa Nostra, on parle de Zampa. Mais Gaëtan Zampa va se mettre en cavale après l'assassinat de Pierre Michel, alors qu'il sait très bien qu'en procédure, il n'y a rien contre lui dans l'histoire Michel. Il n'y a rien. Et comme on n'arrive pas à le rattraper, à partir de 82, on le cherche, bien entendu, pour lui demander des explications sur ses relations avec cet homme qui a fourni la moto aux assassins de Pierre Michel. Mais comme on n'arrive pas à le retrouver, on va frapper au portefeuille, dans la grande tradition qui avait valu la chute d'Al Capone aux États-Unis, on va le coincer financièrement. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête financière sur ses affaires. Et à partir de là, évidemment, on ouvre la boîte à Pandore. Et évidemment, on trouve des faux en écriture, on trouve des abus de biens sociaux, etc. Je vous en passe des meilleurs. Les enquêteurs fouillent les comptes des boîtes de nuit tenues par Zampa et son clan, à Cassis, Cannes, Marseille. Mais aussi, bien sûr, le fleuron de son empire, le Krypton, un énorme établissement situé dans la région aixoise. Mercredi à l'aube, c'est la rafle dans une trentaine de discothèques contrôlées par le clan Zampa. Bilan de l'opération, 21 inculpations, 11 personnes écrouées. Un mandat international est lancé contre Zampa lui-même, toujours réfugié en Italie. C'est tout un empire qui s'écroule. Après un an de cavale, durant laquelle il se cache notamment à Clermont-Ferrand, les enquêteurs finissent par le loger. En plan Caïstre, on vient d'avoir un renseignement qui nous dit que une des maîtresses de Gaëtan Zampa cherche un local à Istres. Donc on se met en planque sur cette villa, sur les bords de l'étang de l'Olivier. Et donc on sait qu'il va venir. Ça a été confirmé par une écoute. On sait qu'il va venir et on attend, on patiente, on attend. Et puis un beau jour, on le voit arriver. Et là, on donne l'assaut dans les minutes qui suivent. Et ça se passe très bien, quoi. Au porte-voix, la maison est encerclée. Et ça se passe au porte-voix. Zampa, la maison est cernée, sors de là. Je compte jusqu'à 10, 5 et 5, 10, feu. On envoie une cartouche de gaz dans la baraque et dans l'air. En novembre 1983, Tani prend donc la direction des Baumettes. Mais en juillet 1984, moins d'un an après son arrivée dans la prison marseillaise, Tani Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Mais loin d'être un suicide, cette mort serait accidentelle. Un stratagème qui... Dans sa cellule, bien qu'il ait déjà fait une tentative de suicide, on lui avait fourni une corde à sauter, ce qui est quand même assez cocasse, pour qu'il puisse s'entraîner. Que le gars qui était son co-détenu était un ancien videur de ses boîtes de nuit et qu'il n'a rien en préparation de la préparation de la pendaison. Donc ça, c'est assez aussi bizarre. Il a dépendu, bien sûr, mais c'était trop tard puisque le cerveau n'était plus irrigué et il est mort quelques jours plus tard, Gaëtan Zampa. Il n'avait pas du tout envie de se suicider, quelque chose, si vous voulez. Il sentait que ça allait, la sanction allait être énorme. Il voulait protester. Ce qu'il tente de faire, à mon avis, c'est une fausse pendaison. Il tente simplement un simulacre de pendaison
pour s'arracher un petit peu ici, s'étouffer légèrement, en quelque sorte, et être conduit à la prison hôpital de Sainte-Marguerite, où il y avait une armée qui l'attendait. Il y avait son frère, son demi-frère, Jeannot aussi, il y avait toute son équipe qui était là, qui l'aurait arraché en 5 minutes. Moi, je suis sûr qu'il ne s'est pas suicidé. Il a raté son suicide et il a réussi sa mort. Francis le Belge, sorti de la centrale de Poissy 5 jours après, ne se réjouira pas d'une disparition qu'il prive d'une vengeance ruminée pendant de longues années. J'avais vu quelque temps après Francis von Werberg, qui lui fulminait parce que Zampa était mort, en me disant « Je n'ai même pas eu plaisir de les lui filer », ce que tout le monde peut comprendre dans le jargon utilisé par cet homme. Mais le Belge ne va pas profiter longtemps de sa liberté retrouvée. En 1986, François Scapula, un truand marseillais qui a viré balance, l'accuse d'avoir trafiqué 20 kilos d'héroïne thaïlandaise. Il le rate à Paris en 1987 et Francis part se mettre au vert à Bruxelles où il est finalement arrêté en mars 1988. Après 4 ans de détention et le versement d'une caution d'1 500 000 francs, il est remis en liberté provisoire en décembre 1992. Mais il devra attendre son procès en 1996 pour être blanchi de ses accusations. Et cette relaxe avait été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qui avait permis à Francis von Werberg d'obtenir une indemnisation pour sa détention abusive au niveau de la détention provisoire. Et l'anecdote intéressante à ce propos, c'est que lui, qui considérait qu'il n'avait pas à garder cette somme d'argent, dans un premier temps avait voulu la remettre à l'abbé Pierre, qu'il admirait beaucoup pour ses œuvres. L'abbé Pierre, qu'il avait accepté dans un premier temps, a dû la refuser parce que cette acceptation avait soulevé un tollé médiatique en disant qu'on ne pouvait pas accepter l'argent d'un truand. Et finalement, l'argent a été donné par von Werberg à l'Observatoire des prisons. Avec les années, la notoriété de Francis le Belge a dépassé les frontières du milieu pour gagner le grand public et plus particulièrement les Marseillais. Cette notoriété s'en passait volontiers parce que ce qui l'embêtait justement lorsqu'il vivait ou lorsqu'il venait à Marseille, c'est qu'il était perçu par certains dans la rue, pas seulement des marginaux, mais comme une sorte d'idole locale où on venait le voir, le toucher, lui parler, lui exprimer sa sympathie. Et au niveau des anecdotes, je me souviens notamment que pendant son procès, qui avait duré une semaine ou plus à Marseille, nous mangions avec un certain nombre d'avocats lui-même et d'autres coprévenus dans un restaurant puisqu'il comparaissait libre. Et la patronne de ce restaurant prit lui faire signer le livre d'or de la maison. Et von Werberg avait cette réponse merveilleuse. Je lui avais dit « Madame, je vous respecte beaucoup, je trouve que votre établissement est très correct, on y mange très bien, mais je ne signerai pas ce livre d'or, sinon vous risquez d'avoir des ennuis parce qu'on considérera que vous avez une certaine amitié pour moi et comme je suis sans arrêt suspecté, on considérera que vous êtes la complice d'un voyou. » Francis von Werberg ne sera plus longtemps incommodé par cette notoriété. 4 ans après sa relaxe à Marseille, il connaît la fin tragique de nombreux caïds. Lui, le Marseillais, sera abattu en septembre 2000 alors qu'il fait son tiercé dans un PMU de la rue d'Artois à Paris, unité installée depuis sa sortie de prison en 1992. De là, il régnait sur Aix-en-Provence, ses boîtes et ses bars. Finalement, le Belge n'aura jamais pris la succession de Zampa. D'autres s'en sont chargés. Ceux-là même qui avaient osé affronter Tani, les Marseillais bogatiques. Et aujourd'hui, si les équipes de quartier s'agitent, la ville est encore entre de bonnes mains. Si les cités s'entretuent et tentent d'épercer, Marseille reste le dernier bastion du milieu traditionnel tout en conservant sa spécificité locale, la figure dominante. Si elle attique aujourd'hui, chez les voyous comme à la PJ, on se chuchote son surnom, le vieux. Si à Marseille le parrain est un voyou, à Toulon le mélange des genres prédomine. Ici, le parrain est souvent élu par ses concitoyens. Milieu et politique, clash sulfureux, mais parfois fantasmatique. Sauf à Toulon et dans le Var, où jusque dans les années 90, les collusions s'étalent au grand jour. En 30 ans, les caïds vont changer de statut et passer de pourvoyeurs de gros bras pour les campagnes électorales au rôle d'entrepreneurs très actifs dans les marchés publics. Les politiques avaient été obligés de recruter chez les voyous parce que d'abord, à la base, il leur fallait des couleurs d'affiches.
des gros bras. Il y a quelquefois des affrontements entre couleurs. C'est toute une époque. Hein. Les politiques étaient aussi sensibles là au charme de jolies femmes. Et les voyous qui étaient à l'époque intelligents. Hein. À un moment donné, il n'y avait plus de barrières. Hein. Il n'y avait plus de lisière, il n'y avait plus de herse. Il y avait une confusion, quoi. Je veux dire, on se retrouvait, ensuite, je veux dire, on devenait rapidement amis. Et ensuite, un service en appelle un autre, hein, de toute manière. Tout le monde, je veux dire, se retrouvait dans une même et même famille, je veux dire. Et après, se tutoyer. Et après, je veux dire, lorsqu'on arrive à se tutoyer, on parle le même langage. Et les campagnes se faisaient avec les voyous qui allaient faire les couleurs d'affiches. Et ça se bastonnait entre voyous après. Donc chaque homme politique qui se présentait avait son voyou. Et l'autre en face, il en avait un autre. Donc après, on se réunissait, hein. Entre voyous, on n'allait pas trop loin. Loulou Régnier, dit le seigneur des Sablettes, du nom du quartier des plages de la Seine-sur-Mer, où il possédait un restaurant. Dans les années 60, le quarantenaire est l'un des caïds du Var, et notamment de la basse ville de Toulon, que l'on surnomme le Petit Chicago. Loulou Régnier, 71 ans, revenu déclaré, 2700 francs par mois. Un quasi-érémiste photographié pourtant cet été dans sa boîte de nuit, un véritable complexe, le Starter, au Castelet. C'est au bord de cette route, le long du circuit du Castelet, qu'une cinquantaine de prostituées travaillaient pour le réseau. Chacune rapportait près de 5000 francs par jour à son souteneur. Loulou Régnier, présenté au juge d'instruction demain, en prison, le doyen du milieu rejoindrait son fils Michel en détention pour une affaire de stupéfiants. Toulon, plus qu'une ville de marine, bon, il y a la marine, hein, on le sait, mais ça a été aussi longtemps la capitale des troupes de marine, c'est-à-dire l'infanterie coloniale. Hein. Et c'était une ville qui vivait avec les tirailleurs sénégalais et tout ça. Bon. Et au moment de la guerre d'Algérie, c'est une ville qui a été extraordinairement vivante, hein, avec les colons, tout ça, il y avait des bagarres dans Toulon avec les blousons noirs, il y avait les entraîneuses, tout ça. Quand c'était une époque où on était obligé de faire venir des filles d'Italie parce qu'il n'y en avait pas assez sur place. Dans un quartier qui voulait la nuit, beaucoup de bars à matelots, et puis les bordels, hein, bien sûr. Ils ont gagné un fric énorme, aussi bien en prostitution que les bars de nuit. Dans l'ombre de Loulou Régnier, un jeune ambitieux, né en 1948, Jean-Louis Fargette, surnommé Le Grand. Il a grandi dans le quartier toulonnais de la Loubière, sans son père, militaire, mort dans la catastrophe du barrage de Malpasset en 1959. Après avoir fait ses classes entre Toulon et Paris, il revient faire carrière chez lui au tournant des années 70. Quand il n'arrive pas seul, bien sûr. Il se serait fait fumer autrement. Donc il arrive avec une équipe. Mais bizarrement, il n'arrive pas à recruter sur Toulon suffisamment. Il n'a pas suffisamment de soldats sur Toulon, si bien qu'il doit faire venir des gens de l'extérieur, de Marseille, du Vaucluse, de Corse, de l'est du département. Et tout ça, ça forme une équipe d'une quinzaine d'individus. Fargette commence alors à frayer dans les coulisses de la politique, notamment au SAC, le service d'action civique, le service d'ordre gaulliste à la réputation sulfureuse. Fargette est un membre du SAC, un membre actif du SAC, et à ce titre-là, il a noué des amitiés hors département, et qu'il pouvait contacter éventuellement. Parce que le SAC, à un moment donné, il y avait deux branches, il y avait la branche politique et la branche du citoyen lambda qui faisait ça par idéologie politique et qui était bénévole, et après il y avait la branche du banditisme. Et le banditisme ne fait pas de bénévolat, pas du tout, hein, jamais. Et quand ils rendent un service, ils attendent l'avanceur. C'est la loi du genre. Dans les années 70, il met la main sur quelques boîtes de la ville et devient l'heureux propriétaire d'un club parisien, le Cléopâtre. Un établissement huppé où il aime recevoir le maire de Toulon, Maurice Arex, élu depuis 1959. Cet élu crâne chrétien, en apparence bien sous tout rapport,
et auquel certains promettent un destin politique national, va s'y brûler les ailes. Arex a rencontré Fargette en 1978 alors qu'il cherche un organisateur pour la soirée de sa future victoire électorale au municipal. Il représente le manager de Mike Brandt. Grâce au concours du grand, Maurice Arex fêtera dignement son troisième mandat à la tête de la ville. En compagnie de Fargette, la fête va se prolonger quelques années. Fargette présente une très jolie femme, une ancienne Miss, blonde, grands yeux clairs, super jolie nana. Et donc, ce mec, tu vois, à 60 ans, il vit la vie d'un mec de 20-25 ans, un cake de Toulon de 25. Ça, c'est la première chose. Après, si tu veux, il part en vacances avec Jean-Louis Fargette. C'est-à-dire qu'on a des traces de l'époque où Fargette paye une croisière à Nicole et à Maurice et à Momo dans les îles grecques, dans les Cyclades. Ils vont dans les meilleurs. Ils changent complètement de vie. Donc, il y a une vraie amitié. Il y a un vrai respect de Fargette vis-à-vis d'Arex. Et il y a un vrai respect de la part d'Arex sur Fargette. Les deux hommes s'apprécient. Pour certains, Maurice Arex se serait alors grisé sans mesurer les conséquences de ses actes. Arex, au moment contre Fargette, il est ministrable, ce type-là. Finalement, Fargette lui a fait beaucoup plus de mal que de bien dans sa carrière politique. Il a plombé sa carrière politique. Autrement, Arex aurait eu une carrière beaucoup plus brillante. Arex a été contraint de marcher pour Fargette. Et quand il a été contraint de marcher et qu'il s'est rendu compte qu'il devrait marcher pour Fargette, eh bien, marcher pour marcher, il a décidé de marcher pour lui aussi. Et la dérive est partie de là. Volontaire ou forcé, l'amitié qui lie les deux hommes pousse Maurice à donner un coup de pouce à son jeune ami, comme en 1919. Nous, la Sûreté urbaine de Toulon à l'époque, on était une des premières sûretés de France. On était classé dans le peloton de tête des sûretés de France par les résultats. Et ça ne plaisait pas beaucoup à Fargette. Si bien qu'Arex a demandé le déplacement du chef de la sûreté. Parce qu'il avait de trop bons résultats. Il a demandé au ministre de l'Intérieur le déplacement du chef de la sûreté. Naturellement, il n'a pas obtenu. C'est quelqu'un qui commençait à être très médiatisé, mais qui n'avait jamais eu maille à partir avec la police. Ce qui permettait au maire de la ville de dire « Mais attendez, vous me reprochez mes amis de sulfureuse, entre guillemets, mais M. Fargette est un commerçant très honnête, qui n'a jamais eu de problème avec la justice. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas avec lui, pourquoi je ne le fréquenterai pas. » À côtoyer Maurice Arex, en 1980, Jean-Louis Fargette, le commerçant, se rêve en honorable citoyen. Il a vraiment cherché à jouer un rôle politique lorsqu'il a créé le comité d'action de la majorité qui était destiné à faire l'union de toutes les familles de la droite pour contrer l'offensive du Parti socialiste. Hein. On n'était pas très loin de l'arrivée de François Mitterrand à la République. Ils ont quand même fait une réunion au théâtre municipal où il y avait, je crois, 2000 personnes, hein, toute la foule des bistrotiers, des amis de Fargette. Puis en même temps, c'était quelqu'un de très malin parce qu'il avait un carnet d'adresses très fourni. Il savait faire. Il sortait son calepin, envoyait des noms connus, etc., avec des numéros de téléphone qui étaient souvent bons au demeurant. Mais aller savoir s'il connaissait vraiment ces personnes ou s'il s'était débrouillé pour avoir les numéros de téléphone et pour les mettre dedans pour impressionner, ça, moi, je n'en sais rien. Les politiques de l'époque, de toute façon, j'allais dire, avaient besoin du milieu. Le milieu, de toute façon, traditionnel, classique, construisait et détruisait les échéances politiques. Alors, comme à l'époque, je veux dire, 30 ans en arrière, c'est une rétrospective, le politique régnait. C'était le politique qui décidait. Mais le politique ne pouvait décider qu'à travers le milieu. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il ne faut pas être hypocrite, je veux dire, comme ça, depuis la nuit des temps. Colleur d'affiches, service d'ordre, perturbation des meetings adverses, clientélisme, chantage sur les concurrents. En 1982, Maurice Arex succède à Édouard Soldani au poste de président du Conseil général du Var, 3 semaines après un décisif.
celui de la loi de décentralisation qui donne un pouvoir économique accru aux régions. Après, ça va ça en s'accélérant quand le Conseil général, avec les lois de décentralisation, devient le principal donneur d'ordre, celui qui va commander des marchés, celui qui fait des routes, qui fait des maisons de retraite, qui fait des bars. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De l'argent que Maurice répartit équitablement entre ses affidés. Fargette n'oublie pas de réclamer sa part à son vieil associé Maurice. C'est le système mis en place par Fargette. Chaque fois qu'il y a un marché public qui est traité par le Conseil général, moi, Jean-Louis Fargette, on prend un pourcentage sur ce marché public. Alors ça pouvait être, comme dans le cas de la Seine, ça pouvait être la vente ou la revente des chantiers navals de la Méditerranée, ça pouvait être une opération de spéculation foncière sur la création d'une zone d'entreprise qui était construite pour reclasser les ouvriers de la navale. Ça pouvait être un musée. Il y a eu un énorme exemple d'une fondation de peintres qui a coûté plusieurs dizaines de millions de francs à l'époque, avec une surévaluation des marchés qui était colossaux. Et on savait, c'était les dents. On disait à l'époque que c'était 5% du marché. C'est-à-dire que s'il y avait un marché de, je sais pas, de 30 millions de francs, Fargette prenait 5%, mais c'était la règle. Et cette règle couronne définitivement les hommes de l'ombre comme citoyens de première classe. Les décideurs économiques dans la région étaient donc les voyous et le milieu toulonnais. C'est eux qui politiquement faisaient le jour et la nuit, hein. C'est eux qui faisaient les élections, qui construisaient les élections, qui faisaient gagner ou perdre des candidats. Mais tout le monde était bien évidemment à genoux devant ce milieu. Rien ne se faisait sans eux. Hein. Ils n'avaient pas à se cacher, ils n'agissaient pas cagoulés. Ils étaient au grand jour, ils portaient costume, cravate, etc. Ils fréquentaient les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants. Ils arpentaient les artères principales de la ville. Là, ils étaient les seigneurs de la région, indiscutablement. Ben lui, Fargette ne se cachait pas. Et aussi bien à la mairie qu'au Conseil général, bon, il était chez lui. Hein. Il rentrait sans demander la permission. Il rentrait dans le bureau d'Arex sans se faire annoncer, ni rien. Bon, il était chez lui. Mais fin 1982, Jean-Louis Fargette va être contraint de prendre ses distances avec sa ville qu'il aime tant. Il se rendait dans un de ses établissements, ou un établissement tenu par un de ses proches, lorsqu'il a été arrêté par la police judiciaire. Et à côté de lui, dans sa voiture, il y avait un malfaiteur qui était recherché, gros malfaiteur, hein, qui était recherché pour un hold-up sanglant à Mantes-la-Jolie, Pascal Damiano. Et voilà, donc il a été arrêté, écroué pour recel de malfaiteur. Et ensuite, il a été, bien entendu, juge. Il comparaissait libre. Et sentant qu'un mandat de dépôt allait être décerné à son encontre à l'audience, il a pris la fuite. Il a pris la fuite et on ne devait retrouver sa trace que quelques jours ou quelques semaines plus tard en Italie, à Rome. Échappant à l'élection, Fargette s'installe dans son nouveau pays d'accueil. Il va s'installer à Ville Crozia, c'est-à-dire entre San Remo et Ventimiglia. Là, il ouvre un restaurant, il ouvre une pizzeria, et surtout, il est très près de la frontière, ce qui lui permet, dit-on, de venir quelquefois voir un petit peu ce qui se passe, on va dire dans le Var, peut-être pas forcément à Toulon. Il a des projets grandioses, il reprend le casino de hier, il s'intéresse à l'extension de l'aéroport, il veut prendre une cimenterie, il a des liens avec des gens de la chambre de commerce, il continue à avoir des liens avec des politiques, enfin, il est quand même au centre d'une toile d'araignée à ce moment-là. Mais comme dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Fargette en exil, Maurice a moins prompt à partager, si bien qu'au début des années 90... Il y a une espèce de double jeu où on ne sait plus très bien qui tient qui là-dedans, puisque Maurice Arex a été jugé, convaincu lui-même de s'être servi du nom de Jean-Louis Fargette pour avoir acquitté des entreprises. Au lieu de verser les fameuses correctement à Jean-Louis Fargette sur les marchés, Arex se gardait l'argent pour lui. Et il en faisait profiter quelques intimes, tu vois, des directeurs de cab, des chargés de mission... Et ça a été le cas notamment sur la construction du barrage de la Verne, où il y a une commission d'environ 200 à 300 000 balles que Fargette aurait dû recevoir
et que le mot est sérieux, que ça conservait pour lui. Mais comme dans ce département, il y a beaucoup de langues de pute, un jour, Fargette, il a entendu dire que Maurice Arix gardait l'argent pour lui, sous prétexte que sinon c'était Fargette qui allait taper le pas, et là, il a remis les choses en place. Maurice Arix a toujours nié ce déplacement à Vallée-Creuse. Par contre, il est indiscutable que des proches de Maurice Arix, des très proches, des hommes de confiance, des hommes de son cabinet, se sont rendus à Vallée-Creuse et où se sont fait passer un sévère savon par Jean-Louis. Alors, remettre les choses au point pour Jean-Louis Fargette, c'est trois choses. Un, il convoque le directeur de cabinet de Maurice Arix, Guy Liotto, en Italie. Il insulte, il le gifle, il lui dit voilà, si dans les jours que j'ai pas mon retour sur investissement, si j'ai pas l'argent qui m'est dû, ça va très très mal aller. Guy Liotto, terroriseur, rentre en France, revient à Toulon, mais il lanterne. Ça va pas tarder. 4-5 jours après, la bagnole de Guy Liotto dans le jardin de Toulon, boum, explosion. Le temps vire à l'orage dans le Var, et pas seulement du côté de Toulon. Dans la ville voisine de Hyères, une députée qui convoite la ville crée des vagues. En 1993, se déroule dans la troisième circonscription du Var une campagne pour les législatives très dure, dans laquelle Yann Pia, qui entre-temps est passé du Front National à l'UDF, a le soutien des instances nationales de l'UDF, mais n'a pas le soutien des instances locales. Les 8 maires de la circonscription, à l'exception de son suppléant, sont tous prononcés pour son rival, qui vient du même parti qu'elle à l'origine, qui est Joseph Cercia. C'est une campagne dure, c'est une campagne qui laisse des traces. Jean-Louis Fargette, politiquement, il n'y avait que Toulon qui l'intéressait. Économiquement, Toulon est déjà une ville sinistrée. Et son intérêt, c'est Hyères. Son candidat était Joseph Sancien. Et il s'impliquait pour le faire élire. Le 16 mars 1993, Yann Pia tient un meeting de fin de campagne à 3000. Et là, des hommes de main, des demi-selles, enfin, patrons de boîtes de nuit, etc., vont perturber le meeting de Yann Pia. Et la veille, Joseph Cercia avait lui-même tenu un meeting qui s'était très bien passé. Donc, les rois étaient à même de faire le parallèle entre les deux affaires. Et, comme par hasard, c'est le 17 mars 1993, au lendemain du meeting perturbé de Yann Pia, que Jean-Louis Fargette est tué là-bas, en Italie. Le 17 mars 1993, à 4h du matin, Louis Fargette, 47 ans, est retrouvé mort dans un jardinet jouxtant le hall d'entrée de son immeuble, abattu de 4 balles de 38, sans doute par un tireur embusqué. La rumeur va faire son œuvre, elle va faire son chemin, elle va cheminer dans les consciences. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui font semblant d'y croire, il y a ceux qui ont intérêt à y croire, et qui disent, il y a Yann Pia derrière, c'est elle qui a commandité, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est qu'un contrat sur la tête d'un homme comme Fargette ne pouvait pas s'être préparé en une nuit ou en 24 heures. Ce contrat était déjà prêt. Tout était en place pour l'abattre. Donc, s'est-on servi du meeting, de ce meeting perturbé pour brouiller les cartes là-dessus, les assassins de Fargette n'ont jamais été arrêtés. Donc, on en est réduit à des suppositions. Moins d'un an après, le 25 février 1994, un autre assassinat va provoquer un tremblement de terre. Il est 20h10, moi j'apprends donc de la part de mon rédac-chef que Yann Pia a été assassiné. Bon, je suis assommé, abasourdi. Je prends cette route et je vois la lumière bleue des gyrophares qui tournent. Dans les heures qui suivent, le scénario du drame se précise. Quittant les bureaux vers 20h, le chauffeur Georges Arnaud reconduisait Yann Pia à son habitude vers le quartier résidentiel du Montauzou. Il a remarqué une grosse moto qui semble le suivre, et puis presque en haut de la côte, la moto double, le passager tire à bout portant. Et Yann Pia, les dernières phrases qu'elle prononce, exactement là, elle dit « jour, on nous tire dessus, jour, on nous flingue ». Elle prend une première balle qui n'est pas une balle mortelle, elle en prend une deuxième qui va la toucher.
À ce moment-là, la moto arrive sur le côté, côté conducteur, et Ferry, qui est derrière, en position de passager sur la moto, va tirer à travers la portière une balle dans la cuisse de Jean Arnaud. Les balles ont traversé la Clio Baccara noire par la lunette arrière et les vitres. Les deux tueurs à moto, en doublant, ont atteint Yann Pia d'au moins deux balles. Ensuite, quand la moto continue, elle double la voiture de Jean Arnaud, de Yann Pia, elle finit en bardée, elle se casse la gueule. Et Ferry, qui a perdu son arme, reprend son arme au sol et avance en direction de la Clio de Jean Arnaud et de Yann Pia et tire à plusieurs reprises. Donc Jean Arnaud recule, il s'appuie sur le virage en épingle à cheveux pour se mettre dans le sens de la descente. Il regarde Yann Pia qui gémit, il lui dit tiens bon Yann, on y arrive, etc. Et puis 5 minutes après, quand il arrive dans la caserne des pompiers de hier, elle est morte. Quoi. Le médecin de la caserne arrive et tente de la réanimer et ça marche pas. Quoi. Donc le décès est déclaré à 20h12. Les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis laissent penser qu'il s'agit de ce que l'on appelle un contrat. Une thèse va vite se dessiner, un peu trop évidente. Tous les journalistes qui déboulaient disaient, mais bon voilà, l'histoire elle est simple. Hein. Yann Pia voulait se présenter à la mairie de Hyères, elle était déjà députée, elle voulait fermer tous les bars des bois à Hyères, elle voulait fermer le casino de Hyères, elle luttait contre les marchés qui étaient truqués, elle menait une croisade contre la surfacturation dans l'aéroport de Hyères où il y avait une déperdition d'argent absolument énorme. Ben voilà, ses adversaires politiques locaux, ils sont tous la même famille qu'elle, l'UDF, voire le RPA, ben ils ont décidé de la flinguer. C'est presque une évidence, tu vois. C'est à ce moment-là, on se dit, bon voilà, elle est victime du système Fargette, mais le système a continué d'exister. Et c'est ce qui reste aujourd'hui, ben c'est Cercia et tous ceux qui grenouillent dans cette famille-là. Quoi. La piste s'éteindra d'elle-même. Finalement, les deux motards qui ont assassiné la députée sont identifiés. Lucien Ferry et Marco Di Caro. Ce sont deux jeunes voyous qui fréquentent le Macama, un bar du port de Hyères, dont le propriétaire, Gérard Final, est désigné comme le commanditaire du meurtre. Ce second couteau du milieu varois, se sentant pousser des ailes, aurait de lui-même fait supprimer Yann Pia, qui promettait de nettoyer le département. Fin de l'enquête sur le meurtre et début des ennuis pour Maurice Arex, symbole de la corruption varoise. Pour Maurice Arex, tout a basculé. L'assassinat de Yann Pia et le coup de pied donné dans la fourmilière par les enquêteurs. Pour l'accusation, il s'agit d'un véritable pacte de corruption au centre duquel se trouve Maurice Arex et sur lequel plane, comme le montrent des écoutes téléphoniques, si l'ombre de Jean-Louis Fargette, le parrain du milieu varois assassiné. Le sénateur n'a cessé de rejeter ces accusations. Si je peux aider la justice, tant mieux. Tout est déclenché à la mort de Yann Pia. Tout se déclenche là, à ce moment-là. Il y a des enquêtes qui sont faites tous azimuts. Ça a été dans le département tremblement de terre. Ça a été déjà un tsunami. Un tsunami qui va avoir raison du système Arex. Le lundi 1er août 1994, le septuagénaire est incarcéré au Baumettes sous la triple inculpation de corruption active, de recel d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. Finalement condamné à 2 ans ferme en 1997, puis à 3 ans en 2000, avant de mourir un an plus tard. Des procès édifiants pour les Varois. L'affaire Piat a fait du bien, puisque je veux dire, tout le monde a repris sa place un peu. C'est vrai que chacun a dit, ben, le conseiller c'est là, les pouilles là, le commissaire c'est là, les magistrats c'est là, les policiers c'est là, les voyous c'est là, les avocats c'est là. Et finalement, la mort de Yann Piat a permis de moraliser le paysage politique varois. Finalement. En fin de compte, elle a obtenu une victoire posthume. On n'aurait peut-être jamais eu vivante. Depuis le grand coup de balai des années 90, Toulon semble avoir chassé ses vieux démons et les notables ont pris leur distance avec les caïds locaux. Le business n'est pas pour autant mort. Il se poursuit simplement de façon plus discrète. Parrain marseillais, caïd toulonnais féru de politique, ancien véreux varois, autant de personnages qui ont écrit la légende noire de la côte et qui ont permis à son milieu d'être en tête d'affiche de la grande criminalité française. We'll be right back.